Bonsoir tout le monde, merci à pile parce qu'avec nous sur télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans la troisième sortie journal mi-temps journée pour ce maintenant. Tout de suite, nous allons joindre collaboratrice nous, Nicole François, c'est l'homme qui va dire nous qui j'ai en condition de présenter pour après-midi à soir à coup de main. Bonsoir à tous, avec un pile plaisir, nous retrouvons aujourd'hui encore pour page météo, qui j'en sais aujourd'hui en sous-région. Et bien, nous allons aller rapidement pour nous voir qui j'en tant les comportés sous Caraïbes blanc et qui j'en n'appuie sous pays d'Haïti. C'est encore même scénario, c'est toujours un régime alizé très humide qui était dans la partie est Caraïbes blanc et avec un tropicalio qui continue à déplacer au niveau sud-bassin qui pourrait impacter pays d'Haïti avec encore avec la pluie isolée. Mais le département qui a plus ciblé aujourd'hui, c'est surtout au niveau partie sud pays en tant que sud-est Grand-Est avec sud cap touché à plus activité la pluie qui est beaucoup plus important pour l'autre département yo c'est des averses plutôt faibles qui capable fréquenter en tant que nord avec nord-ouest pour assoyer pour après avec les gens qui sous côté lieu c'était une journée toujours très ensoleillée avec quelques passages nuageux après-midi encore des chances même assoyer pour nous gagner un risque averse isolé dans partie sud capitale la température maximale n'a pas monté pire que 32 degrés Celsius minimale la descendre 23 ça va permettre de nous dormir avec un peu de fraîcheur au niveau Port-au-Prince. Pour conditions maritimes, aujourd'hui, c'est toujours côte nord qui gagne des vagues qui montent jusqu'à 6 pieds. Et au niveau côte sud, les vagues commencent à monter pire jusqu'à 5 pieds. Là, au niveau de côte sud, on a demandé au capitaine pour être très très prudent d'aller naviguer à soyer. Mais pour le golfe de la Gonave, c'est des vagues qui montent vraiment jusqu'à 4 pieds. Donc là, il y a un gros souci au niveau golfe de la Gonave. Pour le finir aujourd'hui, dans le soleil a couché sous Port-au-Prince aujourd'hui, c'est 5h14. Il y a pleuvé demain matin à 5h52. C'est un gros plaisir pour nous déposer pour l'information ça aujourd'hui à notre page météo. Merci en pile pour attention. Nous passez une excellente soirée et nous rencontrons encore demain pour une autre page météo. Merci en pile, Nicole François, c'est l'homme. N'a pas rapproché avec Journal 1 pour nous faire connaître Premier ministre Jean-Henri Séan. Visité pour une deuxième fois, Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. C'était l'occasion pour chef gouvernement rencontrer juge de la Cour des comptes, discuter avec eux pour regarder dans quel niveau gouvernement capable de continuer par les moyens. Ça permet de porter toute précision sous dépenses fonds pétro-caribé. Précision, Premier ministre Jean-Henri Séan, la micro Anne-Marguerite Auguste, à Cloro, d'Arly Jean-Jacques. Gouvernement prêt pour encadrer dans toute démarche, sans rentrer dans le travail à faire, de laisser la toute indépendance si vous le faites travail, mais que tout côté, il pense qu'on faiblesse, tout côté, il pense qu'il y a un encadrement nécessaire que le besoin, tout côté, il y a un faille que le terrain nous comble, et bien le gouvernement paraît pour le répondre à cela. Et je dis, justement, c'est dans le cadre de ça que nous devinons, suite à la lettre que nous avons écrite pour supérieur des comptes, et à discussion de gagner un téléphone avec le président, de dire m'a venu pour que en direct et nous parler de questions hein, en présence d'autres membres de la cour et de gagner honneur tout porté pour la cour le livre compilation des résolutions de Petro-Caribe. Nous connaissons distribué ben nous dans une conférence de presse que nous avons fait. Et pour qui ça me porte surtout, c'est parce que nous avons rendu compte gagner des résolutions pas publiées dans le moniteur. Nous avons rendu compte des accords initiaux là pas publiés dans le moniteur. Donc, nous faisons compilation et nous complétons le dossier pour la Cour s'il pas de gagner toute pièce qui était dans le dossier. Nous remettons la Cour une dizaine d'exemplaires pour que qu'a distribué ben chaque membre pour que eux même ouais clairement combien résolution précise sous combien comme et puis qui sa contrat initial l'a dit donc manière de dire que nous voulons mettre tout souci dans main la cour donc je dis à nous deviner pour nous regarder avec eux et effectivement nous parler avec le président qui parlait avec nous tous sous besoin la cour évidemment gagne et nous prêts nous mêmes pour nous répondre à besoin donc nous voulons le jour fait sous question Petro-Caribe. En ben n'a marché la main dans la main avec toutes les institutions, avec la presse aussi, pour que nous baillons le peuple à Salamandéa, côté comme Petro-Caribe, et nous faisons dans de bonnes conditions et dans la toute transparence. Pas jamais gagné, il y a une influence du Premier ministre Séan sous question. Nous détendons,
de même proposer une commission qui vous est faite par des institutions qui t'a pas choisi mon lui-même et c'est mon ça qui t'a pas fonctionné sans interférence du gouvernement. Le gouvernement n'a pas voulu interférer dans rien. Au contraire, le gouvernement voulait que à la fin, que le dossier ça finit, que tout le monde content du traitement que nous avons là, et tout le monde content que nous quimbé parole nous comme nous toujours fait. Donc pas de influence, ni ici là, ni dans CSPJ, ni au ni à aucun niveau. La seule chose, moi des îles déjà, ma préponde pour nous, c'est que au niveau du gouvernement, nous-mêmes tout, nous avons une task force qui travaille sur la question. Plusieurs ministres, premier ministre, nous avons travaillé sous dossier, nous avons déjà sorti le livre là, nous avons fini avec d'autres informations qui sont très intéressantes pour nous-mêmes la presse, pour que le jour fait sous question et que tout le monde connaisse ce qui a passé en dedans, ce qui est passé en dedans Petro-Caribé et ce qui a passé dans le suivi que nous avons fait. Tout le monde qui a exprimé la seule chose qui est bonne en proposition et commission. Tout le monde estime que le Petro. Et tout le monde dit, nous avons une structure judiciaire qui est suffisante pour permettre que nous réalisions. Donc, nous tous connaissons tout, que la structure ça est faible. Mais nous-mêmes qui s'en dit. Mais si tout le monde pensait que la commission ce n'est pas une bonne idée, commission de trop, libre le budget, etc., eh bien nous prêts pour nous bailler la justice, tout encadrement nécessaire pour nous combler les faiblesses et que la justice capable en toute indépendance. Fait travailler, mais que le gouvernement a répondu à tout besoin de la justice. Voilà pour précision, Premier ministre Jean-Henri Seyen a toujours été dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif avec le président institution ça, Pierre Voilmar Desmézieux, qui remerciait le chef gouvernement pour intérêt, les manifester pour institution dans le cadre de travail à faire sous dossier fonds Petro-Caribé. Pierre Voilmar Desmézieux dit qu'il a mis accent dans le cadre de rencontre avec le chef gouvernement sur environnement sécuritaire, juge la Cour des comptes a besoin pour être capable de continuer à faire travailler comme ça doit. Précision, toujours dans le micro, Anne-Marguerite Auguste, avec Laurent Darly Jean-Jacques. Et nous avons fait des échanges assez fructueux sur l'avancement, mission que quoi nous avons réalisé, qui est audit spécifique sur le fonds Petro-Caribé. Donc, il a besoin qu'on ait tout. Qui ça gagne en termes de besoin, en termes de contraintes, nous avons fait des échanges sur ça et jusqu'à présent. Et nous n'avons pas avancé assez bien. Nous avons l'assurance qu'au moment opportun, si nous avons besoin qui fait sentir, que nous n'avons pas hésité pour nous informer primatuellement, le gouvernement en général. Mais jusqu'à présent, tout va marcher. Donc tout ça demandé, comme ma priorité, il encore que. Travail à faire dans toute objectivité, avec toute indépendance, sans interférence. Nous juste demander pour nous un environnement de sécurité tout simplement. Pour le moment, nous estimons que nous avons tout moyen pour nous avancer dans le mandat que nous avons. Donc nous juste besoin d'un environnement de sécurité. Nous avons un niveau d'avancement assez satisfaisant par rapport avec le chronogramme que nous avons fixé tête noire. Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Il a réagi après un rencontre qui a été gagnée avec le Premier ministre Jean-Henri Seyen. La direction Parlement, où elle est là, côté gagné bloc majoritaire dans la Chambre des députés en APH, alliance parlementaire pour Haïti, qui encourage l'exécutif là, créer bon genre conditions pour permettre un bon procès Petro-Caribé qui réalisé dans le pays. Puis l'autre bord, parlementaire souhaité, exécutif là, faire un passé main. Cabinet ministériel. Député Léoganin Jean Wilson Hippolyte pour aller plus de détails dans le micro confident fait d'air avec Michel Joseph. APH tendait cri population dans le dossier Petro-Caribé. Bloc APH prend acte de décision que président Slan commence à prendre pour écarter Bokotel. Tout le monde qui t'a assuré gestion fonds Petro-Caribé. Bloc APH
a mandé pour continuer écarté tout le monde qui en dedans pouvoir qui tape gérer fond pétro caribéa sans distinction. APH a mandé pour administration Moïse Séan mettez à disposition la justice tout moyen nécessaire, généralement quelconque, pour faciliter lumière faite sous dossier Petro Caribea, sorti dans l'année 2008 pour arriver dans l'année 2016. APH a demandé pour administration Moïse Séan, fayon chit attendé à tout secteur dans le pays pour que yon remaniement en profondeur capable fait et ceci pour que ça fait sans perdre du temps côté tout secteur à représenter n'a demandé à CSPN pour prendre toute disposition pour que l'ordre la paix et tranquillité retourner dans certaines zones métropolitaines. Nous prenons acte de notre direction générale, la police. Là. C'est très bien. Mais APH attend tout à ce que des actions qui fait, des actions qui suivent notre ça. On continue à parler dossier Petro Caribe dans le journal ça avec Maître Newton Louis Saint-Just qui plaidait pour gagner un procès équitable sous dépenses fonds Petro Caribe. Maître Saint-Just qui a participé à l'émission Mise au point sous télévision nationale d'Haïti souhaitait tout le monde qui a géré fonds Petro Caribe à rendre compte comme ça doit. On a suivi précision de la micro télévision nationale d'Haïti. C'est par souci pour que gagner un procès qui est équitable et un procès de qualité. Un procès équitable veut dire tout le monde qui a participé dans la gestion de l'argent Petro Caribe a fait rendre compte. Basé sur la pièce. Le maire c'est un instructeur capable de décider pour le mettre un monde en détention pour sécurité monde pour monde pas briser preuve. Il va apprécier. Mais première démarche nous c'est pour dire à maïs et instructeur là, nous besoin d'un procès qui est équitable. C'est pas un procès monde pour le faire contre un monde pour la protéger monde gal. Ça est fondamental. Et faut dit tout que en mars 2016, l'heure où il y a un changement dans tête parquet pour un sous-président privé, il a renouvelé toute plainte pour le Caribe et tout. Toute plainte corruption contre le régime de Calais et plainte qui a un rapport avec le Caribe. Maintenant, deuxième bagarre, il faut un procès de qualité pour qui ça? C'est un procès qui est engagé sans nous comme peuple. L'argent a payé sur 25 ans. Mais tout, c'est un procès qui gagne des mouns que vous visez la donne, que vous voulez épingler, que vous voulez épingler. C'est des mouns qui gagnent de gros moyens capés ou de gros avocats. Il y a des films étrangers la donne. Si le dossier n'est pas bien monté, nous risquons de perdre. Parce qu'en fait, Petro Caribe, c'est un complot que l'État ici fait contre propre citoyen. Pour ça, nous avons un complot. Tous les organes de contrôle de ce pays ont une responsabilité. Le Parlement a une responsabilité dans ça. Parce que le Parlement, pour des ordres, ça a fait et le job, c'est pour le contrôler. Ils font cela, l'exécutif. Au contraire, Dieu seul sait combien de parlementaires de 2006 à Jodia qui est élu avec la Petro Caribe. Que c'est sous l'ancien président Préval et l'autre qui vient après. Donc, il faut gagner un dossier qui est bien monté parce que ce qui attend nous, ces films internationaux de la mafia internationale, ces films nationaux de la mafia nationale, ça qui est entré dans la corruption sous la rampe du Caribe, eh bien, il y a un bon document dans le meilleur. Tu as les dossiers pour le technique bien monté. T'as bien ça, ma boule. Ou prend les films nationaux et internationaux, il y a un papier pour les continuer dans le meilleur. Vous n'avez pas CNMP dans le Commission nationale de passation de marché. Vous avez tout acte, tout à fait dans le des papiers officiels qui dit tout le bagage est bien passé. Maintenant, l'heure où vous pouvez faire un procès comme ça,
faut bien préparer. Et là, nous parlons d'un procès de qualité. Le monde va regarder nous. Eh bien, ce n'est pas un procès comme si nous voulions condamner les gens sous figure, mais sous nom. Il faut nous faire sous base de preuves. Nous allons continuer avec le journal Mitajounien sur Télévision Nationale d'Haïti pour nous faire connaître le bureau Sénat République là, rencontré, m'a dit que ce passé à représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies, par moi ici, Hélène Lalim, organisation, élection, dossier, sécurité, c'est quelques parmi points qui étaient discutés pendant la rencontre ça, selon le président Sénat République là, Joseph Lambert. Nous discutons de toute une série de questions qui ont rapport avec le pays en général. Nous parler de Petro-Caribé, nous parler de renforcement institutions, plus particulièrement la Cour supérieure des comptes, la justice, et nous parler de question chômage chronique qui gagne en tout à travers le pays et à travers tout pays, particulièrement à travers l'Ouest, la nécessité de mettre des programmes qui sont capables de générer des jobs, emplois en dans le pays pour permettre de remettre les gens dans le pays, permettre que les gens travaillent. Nous parlons tout de l'élection, nous parlons de budget république là, et je suis en mesure de au primeur, et le président de la République m'a appelé hier soir, le président Jovenel. Il m'a appelé hier soir pour me confirmer que demain, mercredi, on aura le projet de loi électorale déposé au Sénat de la République et à la Chambre des députés. Et son processus qui en branle, n'a pas suivre toute procédure qui exigeait en pareil cas, transmettre à la commission qui a fait à lui-même. Faire étude de loi électorale là, faire recommandation de l'Assemblée pour débat fait, pour vote la fête, pour que avant la fin de l'année, on puisse doter le pays d'une loi électorale et embarquer définitivement sous question élection pour renouveler tiers Sénat et Chambre des députés avec bien sûr toute mairie qui gagne en dans le pays. Pour le budget de la République, le président dit moins qu'il n'a pas avancé très sérieusement, il y a une dernière touche là qu'il a mettée. Et n'a bientôt que nous recevoir une lettre de ministre décembre qui te dit nous si nous pouvons recevoir aide et sous toute forme l'argent etc en termes d'appui au parlement et autres etc dans institution quelconque que ce soit une institution nationale ou internationale et bien pour nous informer de comme ça que nous pouvons recevoir ou bien si nous recevoir et comme nous pas jamais recevoir nous-mêmes, on a purement et simplement nous fait la réponse déjà pour nous dire que nous ne pouvons pas recevoir COP de aucune instance internationale et que nous contentons uniquement de budget république là, que tout haïtien capable de lire en dernier et qu'on est qui s'allie. Voilà. Sénateur Joseph Lambert a répondu à la question Michaud Joseph avec Fedner Confident. Nous avons les coulées là dans la commune Kafou, particulièrement dans la côte plage à 26 à Canasuc, côté dans le cadre d'un caravane de changement. Ministère de Travaux publics, Transport et Communication a préparé pour mettre asphalte et a déjà construit caniveau dans la zone Sayo. Pour plus de détails, Falan Delphin avec Wilson Idori. Série travail sa yo a réalisé dans quatre caravanes changement ça cap permettre moun nan zone Canasuc à côte plage 26 circuler pi bien après chaque la pli c'est nan gros difficulté pour moun fréquenter zone sa yo à cause la boue ak trou yon situation qui gen conséquence sur la vie élève l'école ak l'autre moun qui toujours fréquenter zone sa yo travail sa yo pral faciliter circulation moun ak bien et puis permettre connexion rio nan commune Kafou après rappeler objectif chef l'état Jovenel Moïse c'est construit plus passer 4000 km route dans tout pays. Après appel d'offres litésien dans mois juillet 2018 là, gagné un bureau haïtien droit d'auteur BHDA qui signé un protocole d'accord avec groupe Lexa SA. Si un tiers accord ça fait un objectif pour permettre artistes haïtiens yo rentrer l'argent chaque fois yo consommer zèvio. On a suivre pour plus de détails précision responsable la micro télévision nationale d'Haïti. En 2005, des décrets majeurs ont été publiés et ont signifié
une avancée considérable de la question en définissant de façon claire le mécanisme à mettre en œuvre pour la perception et la répartition des droits. Le récent engagement du gouvernement Moïse Seyon devant l'Assemblée des sénateurs et députés lors de l'énoncé de la déclaration de politique générale dans lequel 7 paragraphes ont été consacrés à la culture. L'appel d'offres lancé par le BADA en juillet dernier a abouti. Il signe aujourd'hui au nom de l'État et en conformité avec le décret de 2005, avec un consortium capable d'effectuer en son nom, avec les moyens techniques appropriés, le contrôle de la perception des droits qui seront répartis aux auteurs. Vous parlez de droits d'auteur, vous parlez de l'argent. Et droits d'auteur, c'est les réunit, et sont très très belles bagailles, parce que les réunit à la fois l'économie et la culture. C'est belle jonction qui gagne entre l'économie et la culture, côté artisio, à ça et au produit, il y a fait comme avec, parce que comme ça, il y a fait, il permet de créer des conditions pour continuer à créer. Et nous choisissons ça, je dis à son étape importante, dans la mesure où il y a gagné des moyens techniques pour faire ça avec les monitoring, pour tendre la radio et pour même gens avec tout standard qui est dans notre pays étranger côté question de droit d'auteur, à valider à travers une série de mécanismes. Yogel et M. Georges Andy René sont avocats spécialisés dans la question de droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est quoi? C'est la protection qui est accordée aux créations de l'esprit. Internationalement, mondialement, je pourrais dire depuis près de 200 ans, l'économie est basée sur la reconnaissance et la protection qui est accordée à la création de l'esprit. Et on ne se bat plus pour nécessairement, principalement sur le contrôle des territoires, on se bat pour pouvoir protéger la création de nos producteurs. À suivre précision une après l'autre, ministre Kiltier à communication Jean-Michel Lapin, directrice générale bureau haïtien droit d'auteur BHDA Emmy Prophète, et puis représentant groupe Lexa SA Georges Andy René. Et c'est sur notre salle, on met en bout dans la première tranche journal pour aujourd'hui. On la propose. Abtonin. Actualité internationale, là, nous prenons les États-Unis, côté d'après résultat élection mi-temps mandat, administration Donald Trump, qui déroulait mardi 6 novembre, là, chambre représentant Congrès américain passé en bas contrôle démocratio, alors que les républicains ont continué à dominer le Sénat, démocratio qui, pourquoi il est là, possédait 229 sièges, contre 206 pour les républicains dans la chambre basse, revendiqué sa aurait en victoire historique pour équilibre pouvoir aux États-Unis. Élection ça ont été fait tout pour 36 postes gouverneurs démocratiques ont perdu une plus gros duel dans l'État Floride. Andrew Gillum perdu face à candidat républicain Ron DeSantis. La page sport a gagné superstar Naomi Osaka qui n'en pays. Naomi Osaka, papa c'est haïtien, l'a visité Haïti sorti 6 pour arriver 10 novembre, arrivé à Yen, aéroport international Toussaint Louverture, et puis à l'étranger, pour gagner, je dis, pour journée Ligue des Champions, Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo face à Manchester. Match là, il prévoit pour après-midi à 3h. Plus d'état avec section sportive télévision nationale. Champion US Open 2018 là, Aisano Americano Japonaise Naomi Osaka arrivé dans pays à journée mardi 6 novembre blanc. Jean ça a été annoncé grand groupe délégation ministérielle qui était accueilli numéro 5 mondial là dans salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture. C'est une sorte de coalition des ministres qui étaient là aujourd'hui. Nous étions 4 ou 5 qui étaient là justement pour nous devine accueillir lui, pour nous devine apprécier lui, féliciter lui et encourager famille en tout, surtout papa lui qui depuis le petit monde, depuis
Monsieur Toupissi, qui te prend responsabilité en tant que papa. Nous pensons qu'il était bon. D'abord pour nous féliciter lui et féliciter famille en tout, maman, papa lui. C'est la vision paquet. Bagaille ça permet que jeunes nous yo, capable ouais Naomi Osaka qui sont jeunes filles qui bouée de talent. OK, donc son valet pur lié. Donc ça permet que jeunio pour yo pas découragé. Naomi Osaka qui a accompagné ak famille gen pour visiter plusieurs côtés dont musée Panthéon National là, Centre Sport pour l'Espoir Haïti, Citadelle Roi Henri Christophe là, ak Jacmel qui c'est ville côté papal prendre.